Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième ronde du tournoi Jigo, organisé par Fulgurugo. Donc il n'y a pas eu de ronde 4 car j'étais malade, donc pas besoin de chercher. On se retrouve cette fois contre Tilven qui est, il me semble, un Q FFG, mais en tout cas il est 2 Q sur OGS, donc on a le même niveau, globalement. Je suis noir, il est blanc, il a 7 de commis, comme d'habitude, et 20 minutes avec 20 secondes rajoutées à chaque coup. Voilà, comme d'habitude. Donc je vais jouer un petit Komoku. Et on va voir comment ça se passe, tranquillement. Donc oui, ça m'a compté en défaite la partie précédente. Donc pour le moment, on est à deux défaites, une égalité et une victoire. Forcément. Et merci pour l'abonnement, Qu'un virus breton Cro. arrive en Belgique. Quel temps 3-1, c'est faut-il? là-bas. Quoi? Quel temps faut-il pour qu'un virus breton arrive en Belgique? Ah oui, t'as été malade juste après. Bon rétablissement. Alors, ça fait Oshi, on va faire double Komoku. Très souvent, on fait un Komoku et un Oshi. Là, on va tenter plus territorial. Et on va directement se saisir d'un Shimari. On aura forcément un des deux. À moins que l'adversaire se décide de jouer, d'approcher directement. Et si jamais on défend, il pourrait approcher là. Et là on défend et il viendrait par ici. Ça peut être un scénario. Mais en soi, on serait très solide avec ces deux Kozumin Chusaku par exemple. Mais c'est tout à fait possible. Et merci hein, du coup, Crow, merci beaucoup. Tu viens de foutre les boules à tout le monde, le quick neck, merde, OBS est lancé. Comment ça? J'ai pas compris. Merci Yoga, merci Vache, merci tout le monde. Y a du monde? Y a du monde. Je vous retire ça, tac. Donc, il joue le deuxième Oshi directement, très bien, on va jouer. On va jouer haut et long pour voir. Donc là, clairement, on joue s'il approche dans cette direction. C'est pas bien grave s'il peut glisser au-dessous ou plus tard en haut 18 en fait. S'il approche dans cette direction, bien sûr, s'il y a déjà eu une situation sur le bord droit, on peut jouer là si le coin devient très gros vraiment. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, nous, c'est comme on joue haut. C'est de jouer soit dans cette direction, soit dans celle-là. Donc, s'il joue un coup en M17, noir peut tout à fait dire d'accord, je fais ça. Et on revient à des séquences un peu classiques, par exemple, comme ça. Où on fait un mur fort et on menace quand même de jouer un moyeu assez important sur le bord droit. Il empêche le deuxième Shimari directement. C'est normal. Donc là, on a les deux stratégies, hein, soit Kozumi Chusaku ou Kema, qui est à peu près la même stratégie, ou la pince. La pince qui peut faire office d'extension, en fait, de ce Shimari-là. Qui peut être intéressant également, en fait. Bon, bien sûr, on me dira, non, il y a une troisième et une quatrième option. La troisième serait le Tenuki. Et la quatrième, tout simplement, prendre le coin. Tac, tac, on vient ici, et blanc s'étend d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait jouable aussi. Je pense que les 4 se jouent, à vrai dire. On a déjà un coin. Enfin, on menace déjà de prendre un coin. Mais on pourrait avoir un de ces deux-là. Donc je ne sais pas si c'est si urgent que ça de jouer R4. Sauf si on veut jouer très territorial, mais. Je pense que je préfère pincer. On va faire une pince longue. Et mon adversaire me demande, on ne s'est pas croisé beaucoup, je dirais. La dernière et première, pas sûr, c'était pour le tournoi de Six. Oui, c'est ça, oui. Je n'étais pas hyper en forme ce week-end-là. Je ne tous streamerai pas aujourd'hui. Oula, ce week-end-là, ça fait 2 ans, je crois. Vous pouvez retrouver la partie sur YouTube, je crois. Si vous tapez Breistoa vs Tilven, Tilwen ou Tilven, je sais pas comment on dit, dans la barre de recherche YouTube, je pense que vous tomberez sur la partie en question. Et je me souviens plus de la partie.
Hop. Et il approche de ce côté-là. Ce qui est intéressant, parce que finalement, si j'avais joué plus haut, en quatrième ligne, ça aurait peut-être été plus embêtant pour lui d'approcher en M17. Mais là, avec ma pierre en troisième ligne, ce qui est intéressant pour lui, c'est même si on fait cette séquence-là, noir, blanc, noir, blanc, noir, et si jamais il tenouki ça, il peut venir directement ici, par exemple, faire un coup à l'épaule en quatrième ligne, ce qui est assez intéressant pour lui. Si je réagis comme ça, il saute et ça peut être pas mal. Ça peut vraiment réduire ce bord droit. À voir. Alors que si j'étais en quatrième ligne, tac. Bon, il peut toujours faire un coup à l'épaule, mais c'est moins intéressant, ça donne beaucoup plus de points d'un seul coup à noir. On peut aussi ne pas toucher. Et alors en M15 directement. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Je pense que c'est pas mal de construire les deux. Parce que s'il fait cette stratégie-là, il ne faut pas oublier non plus, tac, et qu'il vient ici, et qu'il se passe quelque chose sur ce bord droit, un jour ou l'autre, on pourrait contre-attaquer avec un coup vers J16. Donc ça peut également être intéressant. Il faut aussi qu'il prenne en compte le nombre de groupes qu'il produit. Hop, je vais vous lire un peu. Du coup, merci à tous et salut à tous hein, pour ce soir. Quand blanc vient en R5... Ah oui, c'était pour un coup qui est déjà produit, parce que j'ai pas voulu trop lire. Noir peut jouer N3 et Q5 aussi. N3 et Q5. Oui, c'est vrai, c'est... N3, ça fait un peu ancien de je sais qui, d'ailleurs. Un coup comme ça. Ça fait un peu ancien de je sais qui, ouais. Et Q5, oui, si la direction à gauche m'intéresse. Après, si par exemple la pierre blanche en D4 était noire, justement, ça aurait été plus intéressant, je pense. Donc, Atsuke, le coup de contact, très souvent, on répond Ané, donc à la tête de la pierre, donc c'est ce qu'il fait. Et à Ané, très souvent, on répond Dobby, c'est un coup en connexion assez dur comme ça. Hop, on reprend des libertés. Il me dit que lui, il se rappelle un peu de notre première partie, et qu'il l'avait re-regardé. Il la verrait, il dirait, ah oui, c'est celle-là. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai pas une bonne mémoire, donc... Après, il n'est pas obligé de faire N17. Par exemple, on peut retrouver des coups qui se joueraient un peu comme dans d'autres situations où blanc peut venir ici. C'est un peu les mêmes situations que noir, blanc, noir, blanc. Bon, c'est la même chose. Hein. Et maintenant, déjà avant, certains aimaient bien. Moi, j'aimais bien jouer ce coup aussi, mais c'était un gars du club de Brest qui me l'avait appris. Le coup en E2. Bon, sa raison était surtout que... régulièrement, blanc ne savait pas comment répondre. Et en fait, blanc peut répondre de manière tout à fait classique, en C3. Et finalement, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, parce que le coup classique à la part E2, en tout cas avant le Go moderne, c'était d'aller pour noir en D3. Et blanc répond en C3. Donc en fait, quoi qu'il arrive, blanc répond à la même chose. Donc ça, ça va. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il décide de jouer. Et là, il ne faut pas... Je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça pour moi de me battre pour le territoire au nord-ouest. Au nord-est, pardon. Parce que déjà, ça va être dur de fermer. Et si je commence à essayer, est-ce que je vais être senté? Par exemple, si je joue ça, et que je viens ici, tac, je me retrouve avec deux points de coupe, finalement, en N16 et P16. Et en plus, blanc a un bon yossé en prenant la pierre en... au 18 en jouant le point de capture en P18. Alors qu'est-ce que c'est si intéressant? Donc il faudrait que je recule ici, mais je me défends pour pas grand-chose finalement. Comme on dit ici, j'ai 3 pierres sur la 4ème ligne, si on prend par rapport au nord, au bord nord. Donc ce qui m'intéresse, c'est de jouer dans cette direction. Donc là je suis assez content de ne pas avoir à répondre à un coup forçant en fait.
Ici, on a quoi comme solution? Le Q5 devient intéressant pour mettre sous pression cette pierre. Il y a aussi des coups, j'imagine, tout simplement le tourner en L15. On donne des points, mais on agrandit notre potentiel. Ou alors des coups pour essayer d'enfermer un peu cette pierre. Par exemple, qu'est-ce que donnerait Q6? Tac, il monte, je vais là. Il peut aller ici, on coupe, il fait Atari, puis Atari, tac. Atari, on descend. S'il va là, on vient ici. Non, il abîmerait beaucoup ce bord-là. Donc ce coup-là n'a pas l'air si intéressant. Ou alors, ça serait noir, blanc. Et continuer, blanc connect, mais on se fait Kéma déchiré et on abîme notre coin. Donc c'est pas si intéressant. Si je vais dessus, blanc, noir. Blanc continue, j'imagine. On continue également. Et blanc devra protéger un moment. Avec un coup comme ça, il menacerait aussi d'aller dans le coin. Si on protège notre coin, après il peut peut-être pincer et écraser, tout en essayant de se donner l'espace sur l'extérieur. Peut-être que le plus simple, c'est juste de kick. Il monte et je saute. C'est sûrement le plus simple, comme ça on lui retire une direction assez clairement. Et on lui dit, regarde, tu n'as plus qu'une direction de jeu. C'est la sortie vers le centre. Et s'il sort vers le centre, on pourra peut-être développer justement un peu cette zone-là. Donc à voir. À voir, à voir. Mais ça respecte déjà le principe des directions du groupe adverse, de la pierre ici, et aussi le fait de d'abord s'emparer des coins, puis des bords, puis du centre. Donc ça peut pas être un mauvais coup, je pense, R4. Et merci pour le follow, Kamui. Bienvenue à toi. Salut Valois. En résumé, BFM égale Dieu. Mais non. Joue S18, mec, c'est le coup du vin. J'y penserai. Eh, peut-être plus tard, hein. Peut-être. Ça monte. Et on vient mettre la pression. Donc là, c'est pas impossible que Blanc veuille gagner un peu d'espace. Et par exemple, déjà, joue ça pour gagner la G plus tard. Mais ensuite, un coup vers O5 ou O6, j'imagine. Ici, ça donne quoi? S'il vient ici, on va là, il va ici. Nous, on protège. Et ensuite, il peut sortir en essayant encore une fois d'écraser un peu. Ça peut être une séquence parmi d'autres. On voit qu'ici, il va réduire le potentiel en haut à droite. Mais nous, on construirait rapidement le sud. Et un coup vers F3 pourrait devenir assez gros rapidement. Donc le groupe instable de l'adversaire peut nous être profitable assez rapidement. On va voir. Pour ceux qui se demanderaient, la coupe ici ne marche pas. Blanc peut faire Atari, on descend, blanc continue, on n'a que deux libertés. Même si noir fait cet Atari et que blanc connecte, et blanc a plus de liberté partout. Et même si noir fait cet Atari, après il ne peut pas faire grand-chose. Le chichot ne marche pas, car notre pierre serait mise directement en Atari. Et des fois, on trouve ce genre de situation qui menace à la fois le chichot et la capture des pierres. Mais ici, il nous manque des libertés. Donc en fait, blanc peut venir capturer directement. Et il touche directement de ce côté. Ok. Peut-être qu'il veut. Du coup, comme il va de ce côté, ça veut dire qu'il se garde pour plus tard le loisir d'aller en M3. Parce que c'est vrai qu'avec l'autre séquence où il allait plutôt ici, que je joue N5 ou N4, en fait, ça lui retirait un peu son coup en N3, c'était un peu embêtant. Hein, qu'avec cette séquence-là, imaginons, bah, il a plus de M3 vraiment. Donc il essaye de stabiliser de l'autre côté. Après, il faut faire attention à ne pas donner trop de points sur le bord est.
Et peut-être qu'ici, il envisage la coupe directement. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça et qu'il crosscut? En général, crosscut comme ça, on ne fait pas Atari. Quand on peut faire des deux Atari des deux côtés, mieux vaut s'abstenir. Sauf si on a tout lu, bien sûr. Donc on pourrait monter plutôt s'il crosscut. S'il s'en va comme ça. On pourrait chicho. Mais ce genre de coup serait énervant. Parce que si on capture, il peut quand même abîmer notre groupe. Peut-être qu'il faut juste reculer en nobi en fait. Parce que si je vais là, tac. On peut aussi Atari, mais ça donnerait pas beaucoup de choses, je pense. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc Atari ici, blanc Atari de l'autre côté, il sacrifierait ses pierres de façon intelligente en fait. Si je fais ça, tac, tac, Atari, on descend, il ferait d'abord Atari de ce côté, privilège, puis Atari, Atari, donc il donne le 2 de tortue, c'est la capture des deux pierres, mais en soi, il n'y a pas plus de potentiel que ça parce que c'est sur le bord. Et il se développe assez facilement de ce côté, il prend un peu une base de vie, ça peut être une solution. Je pense que je vais rester solide pour maintenir la pression en fait déjà existante sur ces trois pierres. Et maintenant on voit que s'il pousse et que je vais là, maintenant quand il vient ici, certes il aura toujours le coup forçant. Quand on descend ici, il a toujours ce coup privilège. Mais il aura deux points de coupe, c'est ça qui est un peu plus embêtant. A voir. Il joue directement de ce côté, très bien. Allez, go, bateau jusqu'au bout. Ouais, on va essayer de loger ça jusqu'au bout, ouais. Il va se servir de toi pour se construire. Ah, ça, c'est possible, oui. En général, là, les coups de contact comme ça aussi, quand on touche adversaire, ça intéresse plus celui qui se défend, parce que des coups de contact comme ça, ça construit en général les deux joueurs. Et là, blanc, il a besoin de se construire pour revivre, en fait. Mais noir, ça le dérange pas forcément s'il se renforce avec tout ça. Ok. Il va jouer N2. On va connecter directement. Il vient de ce côté. Très bien. Donc localement, je pourrais mourir, hein, effectivement. S'il avait protégé en P2 et qu'il obtenait M2 également, localement, ça, c'était une forme qui pouvait peut-être mourir, je ne sais pas. Non, il lui manquait un coup. Ça fait beaucoup de si, ouais. Ça ressemblait à la grande gueule de cochon, en fait. C'est vraiment s'il avait... s'il obtenait ce coup en plus, c'est que... Justement, ça fait beaucoup de si, parce que là, il faut protéger la coupe aussi. Et maintenant, s'il était santé... Je suis mort. Mais voilà, en fait, non, on était loin de la faire. Tac, tac. Et ça, on a vu déjà plusieurs fois en partie. Quand il joue en T2, noir est mort. Là, il y aura le SGF pour ceux sur YouTube en commentaire. Je vous laisse explorer les suites, mais normalement, noir ne peut plus rien faire. Hop. Mais ici, j'ai un peu de marge. Donc, on a cette capture. Attention, son but, c'est d'abîmer ses 4 pierres, hein, clairement. Si je capture cette pierre, il sacrifie d'abord, parce qu'il y a le double Atari, hein, il y a cet Atari sur deux pierres là, tac. Et ensuite, si je capture, il pourra jouer dans cette direction et mettre vraiment la pression sur ces pierres là. Alors c'est pas facile, mais c'est l'ambition affichée. Est-ce qu'un coup par ici ne marche pas ? Noir, blanc, noir en mode grosse brute. Si blanc fait Atari de ce côté, on se connecte et on est un peu trop content. Donc blanc fera Atari de ce côté, on se connecte ici. Blanc peut faire Atari là, on va là. Blanc peut aller là, on bloque. Et Atari. On vient là. Blanc pousse, on va là.
Blanc vient ici, on n'a plus que deux libertés, mais... Blanc n'en aurait que deux ici aussi. J'ai l'impression qu'un coup par ici, ça met quand même vachement la pression. Il vient ici d'abord, d'accord. Donc si je réponds là, qui répond? Je capture. Il fait ça. Je capture. Il vient ici, je viens là. Atari, tac, 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 tac. Il fait ça, j'ai plus que deux libertés. Sauf que grâce à sa séquence ici, il en a 4. Mais ça maintient son groupe faible. Donc, je ferai plutôt, à la place de la coupe brutale, je ferai ça. Il devra connecter et je le pousse. Et on pousse quand même dans la direction qui nous intéresse. On pousserait par ici son groupe. Et c'est un mur noir qui accueille. Bah, du coup, la flèche en blanc, c'est un peu mieux. Hop. Donc, à voir. Bon, déjà, on va s'occuper de notre survie. Il le fait comme ça. Donc là, maintenant, si je pousse ici, il recule, je viens là, il vient ici. Et je ne peux plus le couper. D'accord. Donc c'est peut-être le moment de le faire courir un peu. Après, ce genre de coup de blanc peut être assez intéressant parce que je ne peux pas aller au milieu comme ça n'importe comment. Parce que quand il connecte, ça menace de tuer le coin. Donc quand il descendra. Ouais, ça va être très compliqué à tuer. Déjà, on va s'occuper un peu de ce groupe. Pour l'instant, c'est un peu Miyai, donc équivalent pour Noir d'aller en P2 ou d'aller en S5. Et s'il vit ici, c'est pas bien grave si jamais on obtenait le coup en Q9. Donc c'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant pour lui d'aller en Q9, exactement, plutôt que de descendre tout de suite. Salut, Mpilus! Et là, c'est vrai que maintenant, il a encore la même séquence que tout à l'heure. Hein. Bah, je vous le remonte. Si je... Mince, je suis sur les flèches, pardon. Si je monte... Il peut couper tout de suite. Et certes, on va encore une fois prendre la pierre, donc c'est encore la même séquence, mais il a ce coup privilège, et ensuite il descend, il menace de capturer une pierre, puis il fait ça, je capture, et ensuite il a le choix, soit il essaie de trouver un peu la vie, bah déjà il peut... Oui, il peut trouver la vie un peu avec ça, ce qui menace de tuer le coin. Ou alors, à la place de S6, il peut aussi décider de faire une belle forme ici. Voilà. Donc ça, c'est ses options, qui sont assez sympathiques. Mais je pense qu'on va quand même se développer comme ça. Hein. On va quand même se développer comme ça. Il peut aussi faire le hané directement. Hein. Peut-être moins intéressant. Hein. Bon, on va jouer cette séquence. Ouais, le début de partie, peut-être pas incroyable pour Noir, du coup. Donc c'est exactement ça. Hein. Après, le coup S8 n'est pas obligatoire, mais... Donc maintenant, il faut juste vérifier est-ce que ça vit bien tout ça pour blanc. Ça devrait aller, hein, parce que, encore une fois, je ne suis pas sûr de vivre ici. Voilà, il choisit de faire ça. Donc on capture ici, parce que sinon on meurt dans le coin. On voit bien que si c'est lui qui rajoute une pierre ici, c'est la forme en 4, c'est le 4 idiot. Même si noir joue en premier, c'est une forme en 3. Blanc joue au milieu et c'est mort.
Donc ici, on capture. Et là, on a deux dieux. Salut, Jazzéas. Ça va bien et toi? Et bienvenue, je vois que c'est ton premier message. Hop. Et là, il est quasiment vivant. Est-ce qu'il est 100% vivant dans ce truc? Oui. Bah, s'il rajoute un coup, il est 100% vivant, ça c'est sûr. Et merci pour le follow. Bienvenue à toi. Effectivement, ici, en tout cas, s'il rajoute un coup, d'un côté comme de l'autre, hein, peu importe. Imaginons, il joue ici, et que je joue ça. En fait, quand il défend, je ne peux pas à la fois aller en Q6 et à la fois aller en T5. Donc il est vivant. Par contre, il décide de ne pas rajouter de coups. Et en même temps, oui, on pouvait mettre la pression en allant là. Il ne rajoute pas de coups. Ok. Noir. Blanc. Si blanc plus tard ici. Noir, blanc, noir. Ouais, le chichot tomberait ici. Là, je lis ce chichot. En fait, si je viens ici, ce qui menace d'aller en R6, c'est de dire que S7 et S5 seraient des faux yeux. Donc, il protégerait. Mais si je tente quoi que ce soit plus tard, il peut pousser. Effectivement, je recule. Hein. Tac, tac, coupe. Atari, montée. Atari, tac. Et le chichot, je lisais qu'il tombait sur la pierre en D16. Donc, le chichot ne marche pas pour noir et ce serait catastrophique. Donc je ne pourrais pas faire un T8. Après, est-ce que je suis obligé, tac, tac, et je protège d'une manière ou d'une autre mon groupe, par exemple comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je peux venir ici. Je fais Atari. Je peux descendre. Ce sera un go ici, en fait. Tac, tac. Et s'il pousse tout de suite quand je suis en Q6? S'il pousse tout de suite. Je vais là, il vient ici, je vais là. Il vient ici, je vais là, tac, 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 tac. Non, en fait, il peut pousser tout de suite. Ouais, c'est problématique. Il peut pousser tout de suite, donc il faut que je défende mon groupe maintenant, quoi. Pas évident de savoir comment jouer ça. Il faut que je protège mon groupe. Hein. C'est un peu lent ce genre de coup. Mais en même temps, si je touche, il va se développer facilement. Il fait année sur la cinquième ligne. Et quand je recule, s'il protège, c'est lui qui développe pas mal ce bord-là. Et en même temps, tac tac. Et en même temps, là j'ai besoin de me développer et s'il protège sa coupe, je peux mettre la pression justement. On va voir. On veut le gigot. Ah, peut-être pas un deuxième, on verra, mais. It's called. Ah, I forgot. Glatt. Glatt. Hop. Ouk. You can find this here. Hop. Alors, là dans cette séquence, effectivement, hein, tac, tac, ce que j'envisage, c'est quand blanc défend, je peux avancer ici. Et effectivement, maintenant, quand blanc pousse, tac, tac,
ça ne marche plus très bien parce que quand il coupe, je peux juste faire Atari, mince pardon, vers là, hop, et on fait Atari, et quand il fuit, on capture le tout. Donc ça, ça va. Du coup, il coupe tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Il y a une sorte de guetta là. En fait. Il y a une sorte de guetta, il me semble. Attention, là, ce genre de coup peut être aussi assez chiant pour lui. Ouais, du coup, il fuit. Mais il me semble que blanc, noir, blanc et noir en M7. Blanc, il a que deux libertés. Mais gros, peut tourner en plus. Parce que je regarde, c'est ça. Tac, tac. Et si blanc coupe, noir peut venir ici. Et ça a l'air de capturer. Donc je peux avancer ici. Oui. Donc là, comme on disait, on menace de retirer les yeux ici. Et en même temps, même s'il protège, il n'y en a que un et demi en quelque sortie, un coup. Le commis est de 7 tours ronds, oui, Oumpilos. Du coup, ça protège par ici. Ok, il sait qu'ici, ça va être compliqué, donc il se dit, bon bah, comme on parlait de ce coup tout à l'heure, on parlait de S6 et on parlait de O9, bah il prend le O9 maintenant. Et en fait, si je viens ici pour dire « Regarde, c'est un faux œil », il s'en va. Donc je vous montre. Si je viens ici, ça dit que P9 est un faux œil, parce qu'un jour ou l'autre, cette formation, le Kosumi, pourrait être mis en Atari, et du coup, il devrait jouer là. Mais, dans ce cas, il peut fuir comme ça. Et je ne peux pas couper cette formation. Mais en même temps, si je le bloque par ici, il peut venir par là, et prétendre faire un œil en P9 ou en P8. Mais ce genre de coup même est risqué en fait. Parce que qu'est-ce qui l'empêche de pousser et de couper? Atari, tac, et ensuite quoi? Ça a l'air risqué. Peut-être plus un coup comme ça. Parce que si je vais ici, en fait, ce que je vois tout simplement, c'est... Oui, si, c'est ça. Tac. Et là, mes pierres sont assez lointaines, donc je me fais juste déchirer et ça fait assez mal. Ça pourrait finir tout simplement comme ça, quoi. Il prend la pierre et voilà, en fait, il est vivant, il n'y a plus de soucis. Et moi, je suis encore avec beaucoup de coupes potentielles à plein d'endroits, donc attention. Donc on va plutôt jouer un coup comme ça. C'est quand même un Kaima, c'est un coup d'attaque, mais en prenant soin un peu de mes pierres. Et ça protège encore une fois indirectement les coupes ici, puisque maintenant, encore une fois, si on fait ça attaque, on peut même se dire finalement, le chicho, l'escalier ici, ne va pas vers la pierre en D16, mais va vers la pierre en L9. Oui, c'est assez logique le 7 quand même.
Sinon, comme je te l'écris, ce serait à une pierre d'handicap, en quelque sorte, ce serait à Seine. J'ai oublié de mettre le chat sur le la partie, il faudra que je mette la prochaine fois, peut-être que ce sera mieux pour ceux qui sont sur YouTube sans le chat, des fois c'est peut-être un peu embêtant. Pour le moment, Blanc est enfermé dans cette sur cette ligne encore. Donc à voir comment ça se joue. Il essaie de sortir. Il me reste 6 minutes 50. Ça semble quand même compliqué pour moi. Si je pousse comme ça, tout simplement, qu'est-ce qui empêche Blanc à un moment de revenir et de couper? Même mes Atari, tac, tac. Continue, je vais là. Je fais Atari, tac, mais il connecte ici. Et il pourrait prendre ses pierres. Et en même temps, si je fais Kema comme ça, il y a quand même des coupes. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ça change rien. Il faudrait pousser comme ça, tac. Mais du coup, blanc gagnerait ça gratuitement un jour. Donc blanc peut sortir tous les jours, en fait. Il faut que je pousse ici d'abord, pour faire le année et double année. Mais en même temps, maintenant, quand je pousserai ici et qu'il pousse là, tac. Quand il y a l'Atari, on peut pousser sans qu'il obtienne l'Atari en M5 dont on parlait. Donc là, si je poussais ici directement, si j'avais poussé là directement, blanc, noir, blanc, noir Atari, blanc descend, tac, tac, noir aurait été ici, n'oubliez pas, il n'y a pas la pierre en K5 que je viens de jouer. Et blanc pouvait faire Atari ici, et justement je jouais là en K5. Et là, blanc pouvait connecter ici. Et si je venais m'emparer des trois pierres, blanc pouvait faire Atari ici, j'imagine. Et venir prendre les pierres. Je réalise que peut-être pas avec le snapback. Bon, tant pis, erreur de lecture. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse les séquences après coup, sinon ça serait de la triche. Surtout quand c'est des trucs compliqués comme ça. Bon, noir, blanc, noir, blanc. De toute façon, tout ça, c'est un truc qui va pas se passer, hein, parce que c'est la situation à changer. Blanc, noir. Ouais, j'avais lu que blanc prenait les 4 pierres ici, mais en fait, peut-être pas. Tac. Blanc, noir. Mais en fait, si, blanc, noir, blanc. Donc si, il prenait les pierres. Ça me rassure en quelque sorte de pas trop me tromper, de pas regretter. On était dans la merde. Alors que maintenant, grâce à cette pierre en K5, il n'y aura pas l'Atari en M5 de blanc, dans la séquence que je viens de vous montrer. Donc maintenant, je peux le pousser un peu ici. Mais là, oui, effectivement, s'il faisait n'importe quoi d'autre, imaginons s'il sortait et que c'est moi qui jouais ici, c'était quand même assez douloureux de se manger ça de la part de Blanc. Qui protégeait, je faisais Atari, tac, tac, mais il y avait pas mal de combats, il se mangeait pas mal de pression, et même si il pouvait vivre, hein, par exemple en prenant cette pierre, ça donne beaucoup trop de liberté à Noir, il a gagné une grande force et tout, c'est embêtant quand même. Finalement, ce potentiel au sud, ce serait un peu plus de 5 points. Donc pas très agréable. Donc il préfère répondre, on est pour sur la quatrième ligne, pourquoi pas. Et dans ce cas, on peut reprendre notre offensive sur ce groupe à droite.
On va venir ici. Essayer de jouer solide. Là, c'est connecter ces pierres-là ensemble, avec la connexion bambou. Si blanc joue un, je joue l'autre. Et inversement. Donc là, ça, on connecte. Il s'en va. Et là, je reviens par ici. Et ce que j'essaye de dire, c'est si tu viens ici, je viens là. Si tu pousses, je viens là. Et en fait, encore une fois, si blanc va par exemple en P8, je peux aller en N9 et inversement. Donc dire mes pierres sont connectées, il n'y a pas de souci. J'essaie de jouer un peu plus vite, parce que il me reste 6 minutes. Donc il y a une 20 secondes par coup, hein, mais il n'y a pas de BEMI derrière du coup. Donc si j'arrive à 0, c'est fini. Et lui, il reste 14 minutes. Il streamait toutes ses parties, celle-ci, il la stream pas, zut. Je pensais que ce serait égalité de ce niveau-là, du coup. Parce que lui, oui, comme c'est indiqué, vous mettez le shout-out. Dans le titre, vous avez un lien vers sa chaîne. Mais je vous mets ici, de toute façon. Tilvengo. Hop. N'hésitez pas à aller le suivre. Parce qu'il stream souvent ses parties des tournois de Fulgurgo ou des tournois de Stone in the Shell aussi. Et il est fort sympathique. Sur YouTube, perso, je préfère sans le chat. Ici, je mets en mode studio. Ok, ça roule. Et Sendo qui dit pareil. Ok. Je pense que là, il y a eu une petite erreur de lecture. Je pense que j'en ai fait plusieurs, moi, depuis le début. Mais là, je pense que Blanc, il y en a eu une de sa part avec le N7, là. J'ai l'impression que ça marche très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ça change la situation? Ici, il fait comme ça, tac, tac. Ça donne envie de faire ça. On va venir ici. S'il y avait... il y avait peut-être quelque chose de... avec le P9, mais j'arrive pas à voir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est du combat. Je pense que ça plaît à certains. En scène 2, de Damien, que ce soit du combat tout le long. C'est vraiment le focus de ma partie, c'est mon salut, il passe par l'attaque de ce groupe, parce que sinon j'ai rien construit de spécial à part la pression sur ce groupe. Alors que Blanc, il fait du territoire, il met la scie, on n'a même pas joué sur ses propres positions. Un peu agressif sur cette partie, moi, oui. Effectivement. Après, tout à l'heure, Blanc pouvait décider de rajouter un coup pour vivre, mais en même temps, oui, il restait le coup en L3, je crois qu'on disait, qui traînait pour Noir et qui pouvait mettre une pression énorme sur ce groupe, c'est chiant. Ah si, il est en live. Ah, chouette. Bah, n'hésitez pas à aller, du coup, pour avoir les deux points de vue. Heureusement que j'ai pas été voir, sinon ça aurait été la triche. On est dans les mêmes conditions, du coup. Ah, il est plus doué que moi pour gérer son temps. Cro, t'es là encore, tu participes à ce genre de tournoi, comme ça au moins j'aurai quelqu'un qui utilise le temps comme moi. Ok, donc là on est encore dans le truc de on sera pas croisé au Jigo. Bah, il reste une partie derrière encore.
Merci pour le follow. Are you okay? Si je viens ici, non? Là, on voilà, on, comme je voulais dire, là, juste avant de lire un message. On se dirige, comme on disait, vers mes pierres. Donc là, un coup comme ça. Qui menace de continuer, tac, et de couper, même s'il fait Atari. On est tranquille. Tac, et même s'il se passait n'importe quoi, hein, franchement, ça serait pas ce coup, hein, mais pour montrer. Tac, 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 tac. On est vivant assez rapidement à droite. Donc il n'y a pas trop de soucis. Ouais, ça donne envie de jouer ce coup. Et s'il continue comme ça, on saute. En fait, ici, on veut qu'il n'y ait pas d'œil. En 1, on veut qu'il ne sorte pas. Et 2, qu'il n'y ait pas d'œil ici. Et comme ça, là... C'est un co, toujours, j'ai l'impression. Ah non, il faudrait que Blanc joue là. Et ensuite... Noir, noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, ça serait mort. Ce serait mort. Si ça meurt, ça fait un beau territoire quand même. On l'avait collé le moyeu au début. De quel côté on joue? Peut-être par là. Hein. Boucher la sortie déjà, c'est pas mal. On bouche la sortie. Ouais. Par contre, je suis spécialiste hein, dans ce genre de moment de parfois, ouais, donc j'essaie de me concentrer un peu là. Ça rigole derrière. Hein. Il n'a pas de délai par contre. Bon après ça, moi j'en mets, mais en soi, là, il n'y a aucun d'entre vous qui n'a... ne me fasse tricher par exemple, et même, il ne viendrait pas sur mon stream pour regarder ou un truc genre, donc voilà. Ou alors tu m'encourages à aller voir, il n'a pas de délai, va le voir. Mais moi je le veux Digo. Ah oui, du coup c'était il y a deux minutes quand je parlais du combat. Franchement là, si cette partie ça fait un Digo, c'est vraiment fort. Peut-être qu'il va se passer exactement l'inverse en face. Spoiler non, mais... Ouais là, il veut s'étendre, essayer d'avoir voilà, une base solide ici déjà pour bien s'étendre en face. Est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup ici? Ouais, c'est embêtant quand même. On renforce. Je suis obligé de jouer assez vite en plus, hein. Je suis 4 minutes 16 là. Et lui, il veut pas descendre au-dessous des 10 minutes. Pas très fair play. Je t'ai fait spoil un peu. Ah oui, du coup, oui. Ah, c'est dans ce sens-là aussi où je vous ai dit de regarder de l'autre côté aussi. Ah oui, oui, du coup. Et ça joue comme ça. Parce que là, ça me donne envie de connecter au bout d'un moment. Parce que là, le piège, c'est blanc, noir. Blanc. Dommage, ça. Et si je vais là, tout simplement. Enfin, tout simplement, entre guillemets. Blanc, il est ici. Je vais là, il coupe. Et on s'en va. Ouais, on va connecter un peu nos pierres. Ces trois pierres-là, si elles s'enfuient, mais qu'en contrepartie, on tue ça, je me dirais un peu, on s'en fiche. C'est ce point-là, M5. À chaque fois qu'il va y avoir une pierre de rajouter autour et tout, il faudra relire, voir si la situation ne change pas et qu'il n'y a pas une petite merde par ici.
On est assez discipliné. Ok, maintenant il vient par ici. Si je viens là, qui est le cool, qui donne le plus envie. Il pousse, je viens là, il peut couper. On capture. Il fait atterrir, tac. Mais ensuite, il a quoi? Il avait ça. Non, il y avait ce coup forçant d'abord. Connecté. Mais avec une pierre blanche ici, une pierre blanche là en plus, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Ensuite, il peut venir là, mais je viens là. Ou alors, il attacherait ici. Ça a l'air compliqué pour lui quand même. 3 minutes 17. Donc là je suis obligé d'aller là, hein. S'il continue et qu'il descend, je risque de mourir ici. Donc on va faire nos yeux. La coupe. Ça semble logique de couper. Pour gagner encore dans les mêmes situations ici, hein, où c'est encore une fois une pierre de sacrifice comme à chaque fois on disait pour la pierre en R10 qui est S10. D'accord, il ne le fait pas. Bon, pourquoi pas. Là il ne faut pas bloquer ici, sinon Atari. Salut Abdallah. Je me demande si ici je peux pas bloquer. Tac, Atari. Non, c'est mauvais. On va juste connecter comme ça. Tac. S'il va là. S'il avance ici, on vient ici. Ouais, il va faire un deuxième œil ici si je fais pas gaffe. Blanc, enfin noir, blanc. Faudra pas bloquer ici, il faudra aller là. Quoi. C'est où le live de l'adversaire? C'est, je l'ai envoyé juste au-dessus si tu veux. Et sinon, c'est dans le titre aussi. Dans le titre du stream, si tu veux, tu as un lien normalement. Je crois que ça marche. Le lien de. Ah, mais je vais te répondre direct, sinon, c'est dans 2 minutes que tu auras la réponse. Voilà. J'ai l'impression que ça fait une éternité que t'as pas stream. C'est parce que c'est en partie vrai. Ces temps-ci, je stream seulement mes parties de tournoi. Donc depuis 2 semaines, là, il y a eu 4 streams. Et normalement, il y aurait dû en avoir un contre Witak ou Isak, je sais pas comment on dit, contre qui j'avais déjà joué au tournoi d'ouverture, là, à l'escarmouche, contre qui j'avais perdu. Mais c'était une belle partie, effectivement. J'étais malade ce week-end, donc je n'ai pas pu la faire. C'est pour ça que là on passe directement de la ronde 3 à la ronde 5. Mais oui, là ce temps-ci j'ai un peu moins de temps. Et normalement, du coup là la dernière ronde, ça commence à partir de vendredi. Et c'est 4 jours, donc on devrait avoir un stream encore vendredi, samedi, dimanche ou lundi soir. Parce que je verrai avec mon adversaire. Donc j'aimerais bien dimanche par exemple, ce serait cool. Dimanche tranquillement, oui. Je serai en PLS avec si peu de temps. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, oui, il faut peut-être que je réfléchisse un peu. Bon, après, là, c'est mon adversaire de jouer, mais je suis étourdi. Enfin, j'imagine que là, il réfléchit un peu à tous les P16, O14, tout ça. De rien, Fredo. Il vient ici, très bien. Donc là, on disait ça, hein. Tac, tac, tac. Et quand il vient là, je viens ici. Et c'est une forme en 3, et ça, c'est mort. Et seulement quand il descend là, est-ce qu'il y a un problème derrière quand... Ici. Non, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je regardais si plus tard ça pouvait me gêner une séquence où
Imaginons il y a deux pierres comme ça, non, les pierres comme ça, et qui venaient ici, je viens là, qui venaient ici, je viens là, et en fait, il peut pas me tuer parce que soit il y a l'œil en Q2 plus le coin, soit il fait ça, et effectivement je peux pas venir en P1, mais dans ce cas je fais Atari ici, et s'il retire l'œil ici, je capture en T1, et j'aurai mes deux yeux avec les pierres capturées, S1 et T2. Donc il n'y a pas de problème. Donc on continue cette séquence. Et en fait ça, on a l'impression que c'est une forme en 5, mais non, c'est une forme en 3, parce que un jour ou l'autre, il devra rajouter un coup en S5, car ces deux pierres vont être mises en Atari, et exactement la même histoire en face. Il devra rajouter un coup en S7, parce que ces deux pierres S8 et T8 vont être mises en Atari. Donc ça, c'est des damés, des faux dieux, en fait, je ne sais pas comment trop dire. Ce sera comblé, quoi. Et il joue par ici, très bien. Donc là, si je protège là, il monte ici et il est vivant. Donc là, il tentait des petits trucs de ce côté, je pense, pour me perdre un peu. On va aller là, hein, on est obligé, si on veut faire quelque chose, empêcher les yeux. Quand il protège, on va là. Donc là, il va de ce côté. On le bloque. Quand il vient ici, si je coupe. Atari, tac. Je vais connecter. Il va connecter ici et je vais là. Et il devra choisir. Parce que ici, maintenant, effectivement, il peut connecter. Hein, et dire, regarde, je vais dans cette direction, je vais peut-être trouver un œil dans ce coin. Sauf qu'à ce moment-là, je peux venir ici. Et là, il doit connecter là. Et je peux couper ici. Donc c'est embêtant pour lui. J'ai parti à la flèche, pardon. Okay. Il vient ici, très bien. Donc là, il menace blanc, noir, blanc. Mais si blanc vit ici et que je capture, il coupe, je connecte, il coupe. Je vais ici, il y a toujours deux connexions. On vient ici. Capture. Ça, normalement, je peux connecter d'un côté ou de l'autre, donc comme on parlait de ça tout à l'heure. Tac. 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 On bloque. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas touché ici, donc on a des libertés. Donc là, ce qu'il visait, c'est une séquence, imaginons, d'un côté ou de l'autre, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah oh, si, peut-être quand même. Peut-être que c'est un plus avantageux pour lui de jouer comme ça, tac. Donc Atari, tac. Donc je réponds là. Et lui, il se disait sûrement, il y a peut-être une séquence en jouant par ici, en tentant un truc comme ça. Mais là, j'ai trois libertés, c'est assez compliqué. Et finalement, lui, il en a pas beaucoup avec son groupe non plus. Mais ça, oui, depuis tout à l'heure, on essaye de relire pour ne pas se tromper. Mais normalement, là, ça ne changeait pas trop parce qu'il n'y avait pas de pierre de plus. Je vais quand même lire le M5. Ouais, ça a l'air compliqué pour lui quand même. Et surtout, en fait, je vais fuir. Je fuis soit par là, et je gagne pas mal de liberté. Soit je fuis par là parce qu'il me pousse dans cette direction en tournant par exemple sévèrement en J4, en J5, pardon, en me retirant une liberté. Sauf qu'il me dirige vers son groupe qui aussi risque de mourir. Donc c'est pas évident.
Il me reste 9 minutes. Ok, il me rattrape un peu sur ça. C'est bien. Et moi, 3. Et ici. Ici, coupe. On vient là. Ce coup-là, il ne marche pas. Non, c'est une bêtise. Après, je peux faire ça tout simplement, non? Noir. Je connecte. Je connecte ici. Ou même, je peux venir là. Parce qu'en soi, si je perds ces deux pierres, elles n'ont aucune influence sur cette situation tant que celles-ci sont connectées. J'avais même pas lu cette séquence-là, en soi. Mais je pense que si je vais là, ça doit suffire, hein, mais... Ça a l'air plus simple. C'est plus simple. Parce qu'ici, on a la connexion bambou, donc déjà, c'est connecté. Et là, maintenant, ben, il faut qu'il connecte ses pierres, et je peux aller là. Mais ce que je peux lire, c'est... effectivement, est-ce que ça, ça ne marche tout simplement pas aussi? Blanc. C'est la seule solution pour sortir pour blanc. Allez là. Ah non, peut-être qu'il a ça. Non. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Non, ça tombe sur sa pierre. Il n'y a pas de guetta. Non. Bon, on va connecter. C'était pas. Est-ce qu'on sort? Noir? Blanc? Ouais, ça fera un bon bord. J'ai l'impression que j'ai le temps d'aller là, parce que grâce à cette pierre, en fait, c'est miaille pour moi d'aller ici et là. Donc ça, c'est intéressant à jouer. C'est la gourmandise, certes, mais la gourmandise qui marche parce que c'est une connexion bambou. Donc même si blanc force, tac, tac, il me reste deux libertés ici, une là. Et si force ici, tac, tac, ouais, c'est bon. Si blanc connecte, je vais là. Si blanc vient ici, je peux aller là. La liberté en M3 m'aide beaucoup. On capture. Et là, effectivement, s'il n'y avait pas eu la liberté en M3, imaginons là, il y a une pierre blanche. Mince, je suis sur les flèches, encore une fois. S'il y avait une pierre blanche ici, effectivement, blanc, noir capture, mais en capturant, on se retire la liberté en N5, et blanc pouvait snapback, prendre en retour en M5. Et là, j'étais complètement capturé, il vivait et j'abandonnais. Mais cette liberté en M3, depuis le début, elle me sert bien. Donc justement, on disait tout à l'heure de ne pas avoir forcé, c'est bien. Ne pas toucher forcément aux situations qui n'ont pas besoin d'être résolues tout de suite. Et maintenant, ce groupe-là s'en tire bien. On va vers le centre tranquillement, c'est très dur de nous retirer des libertés. Et en plus, de tout, là, il a donné l'importance... Ah, ces 6 pierres là, qui ben c'est quand même un groupe de 6 pierres, c'est pas rien, et qui n'ont que 3 libertés. Donc c'est compliqué. Après, je pense que... qu'on pourrait me dire, c'était quand même plus simple de connecter, et que ça soit voilà, capturé, fin de l'histoire. C'est possible aussi. Oui, c'était sûrement plus simple. noir, blanc,
Noir. Blanc. Ouais, non, ça serait une erreur. Et ça? Je suis obligé de faire comme ça, j'ai l'impression. Ouais, c'était plus simple, en fait. Donc là, j'ai fait sûrement... oui, ça marche, effectivement, mais j'aurais dû connecter, en fait. Au lieu de faire le Kosumi. Je vois mon erreur maintenant. Et j'aurais dû connecter. Tout connecter, sacrifier, lui donner ses deux pierres. Il aurait fait le... Il aurait fait jouer en G6, justement. Il aurait sauvé ses pierres. Mais là, ça, c'était bien et bien mort. Et ça suffit largement, parce qu'il aurait jamais pu faire autant de points. Donc là, je... Ouais, je me complique un peu la tâche. On va aller par ici. Ouais, là, il y en a qui doivent s'arracher les cheveux un peu. Ouais, mon pilous, ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais dû simplifier. Hop. Là, bah, on l'a dit, hein, c'est le gourmandise. Ah, oh, voilà, c'est fini. C'est con, hein. Après, oui, il capture tout. Donc voilà, effectivement, ce Kusumi était la gourmandise. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, chicho, abandon. C'est fini. Eevee, j'ai perdu. Ah là 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 là. Ouais, ces pierres là, elles peuvent rien faire de spécial. Là, ça lui sauve ces pierres là, ça lui sauve ces pierres là. On pourrait prendre ça. Quel gourmandise. Il me reste 30 secondes, ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. 10, ouais, non. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est bête. Hein. Je vais compter vite fait. Bon, ici, il y a 2-3 points. J'ai 40 points, 45 à tout péter, on va dire. Lui, il en a une cinquantaine pour l'instant. C'est bête, hein? Ah, je vous ai dit, je suis spécialiste dans ça. Effectivement, du coup, plutôt dans la partie, à la place de faire ce coup-là, il fallait que je connecte... du coup... il fallait que je connecte... C'était où? C'était ici. Ah, il capture! Il n'avait pas besoin de capturer. Ou alors il voulait... voilà, la situation est claire. Bah, je suis assez content qu'il capture. Bon, j'ai compté 50, mais... 9, 8, en vrai, ça va être toujours... 6, 5. Bon, on va attaquer son groupe en haut. On est obligé, hein, d'être agressif encore. Mais bon. Il fallait simplement d'oublier. Ouais, voilà. La grille, ouais. C'est chaud pour ceux qui voient pas. Ouais, je l'ai montré, je crois, non? J'ai pas le temps de montrer là, désolé. N'hésitez pas à regarder, hein, vraiment, avec, le SGF en commentaire, pour ceux qui auraient sur YouTube, par exemple. Et même, je peux vous envoyer le lien de la partie, tout simplement, en fait, hein, pour ceux qui voudraient tester sur OGS, vous pouvez faire vos propres préparations aussi. On va capturer ça.
Hop. En fait, ça fait quelques petits points ici. Même s'il capture, je capture. Hop. On connecte ici. C'est bien, ça me fait gagner du temps, ça. Ici, Fatari, on capture. Il connecte. En gros, on aura gagné un petit mur. On glissera au Sunset après, je sais pas. Ou alors en C14. Peut-être qu'on pourrait même envisager en D14. Ouais. Parce que si c'était passé comme je le voulais, imaginons ici, il fait Atari, je capture, protège. Et moi, j'aurais été ici. Donc, il n'y avait pas son pire en C14. Et le but était de développer, en fait, dans cette direction. Et d'un jour, peut-être rajouter un coup noir par ici. Et essayer de faire des points par là. Bon, il restera ce genre de coup. Hein. Mais là, je peux plus tac, 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 tac. Si je rajoute un coup par là, il va par là. Si je rajoute un coup par là, il pourra aller par ici. Ouais, ça va être compliqué quand même. On va faire atterrir ici. Il n'a pas répondu en soi. Il n'est pas encore tout à fait vivant ici. Un petit pas loin. Hein. Si, il est peut-être vivant en fait déjà. Parce que j'ai des problèmes et le temps de le résoudre, il vit en fait. Ok. Pas connecté. Un petit coup à l'épaule ici. Il s'en fout. Ouais, je suis un peu à court d'idée là, il développe un quart de Govan assez immense ici, et je peux pas faire grand chose on va dire. On va essayer de s'installer au-dessous. Jouer un peu sur l'edge de CPR, mais en vrai il va faire beaucoup de points dans la zone. J'ai assez peu d'espoir dans cette partie, je vais continuer quand même, hein, mais... Allez de ce côté, l'autre côté ne nous intéresse pas trop en fait. Il est déjà, y a rien à jouer hein, parce qu'il capture ces pierres là quand il veut. Ah, c'est bête. Hein. Attends, de ce côté. Si on connecte, il descend. Ouais, on est un peu obligé de faire ça. Il peut faire le double Atari et on capture ici. C'est très probablement ce qui va se passer. Parce que s'il sort gentiment, je peux connecter en C3 et c'est trop gentil pour noir en fait. C'est trop agréable. Après, il finit Sente s'il fait ça. Tac, 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 et il peut rajouter un coup par là et prendre beaucoup. Ouais. C'est une solution aussi. S'il prend cette pierre, oui, tac, je vais là, tac, viens ici. Ok. Compliqué, compliqué.
Ça peut faire quelque chose, ça. Ah, il me lance dans des Tsumego alors que j'ai plus de temps. S'il vient ici. Tac, 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 tac. Je sais pas. Et s'il vient là, tac. Blanc. Noir. Le graphe il va être marrant, il va chuter ou monter selon le point de vue. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'obtiens un coup par ici, il peut jouer là, et si je jouais par là, il obtenait un coup par ici. On pouvait pas avoir les deux en même temps, là c'était compliqué. Parce qu'en soi, il perd un peu de potentiel à gauche, mais ça va quoi. On va aller par ici, menacer un peu le groupe au nord, et en même temps menacer de glisser en C17. Un jour, on rajoutera un coup par ici aussi. Si je vais en K19 qui descend, ensuite je vais en L18. S'il descend, je vais là. S'il va là, je vais là. Je pense que je peux faire une forme qui tue. Donc là, il regarde s'il est obligé, mais je pense qu'il est obligé. Après, la petite erreur qu'il pourrait faire, c'est se dire non, ça va, ça ne fera que c'est qui. Genre, s'il dit que je vais jouer. On va jouer comme ça. Noir, blanc. Noir. Blanc. Noir, blanc. Par exemple, s'il se dit que ça joue comme ça, mais non, noir peut venir là en fait. Bon, on connecte, on va voir comment il va voir ça. En tout cas, K19 est attirant pour moi. Et au pire, c'est 17. Parce que grâce à ça, du coup, je peux glisser ici. Quand il pousse, je vais là. Ça connecte à peu près les pierres. De ce côté, on vient là. Ok. Noir. Blanc. Noir. Ça, si on fait ça, c'est qui, non? Non, si on fait ça, il peut vivre même. Il joue, il répond en M19, je vais en J19, et il vient ici. Ouais, ça peut être c'est qui si je vais en M19 d'abord. Et si je viens là, et ici. Non, y a rien. Faudrait que j'aille là. Il vient ici. Je vais là. Il vient là et je vais ici. Donc on peut faire un seki, mais c'est pas si intéressant que ça. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que là, il peut aller par là maintenant. Ouais, c'est pas fou ce que j'ai fait.
S'il coupe, je vais là. Hop. Connect. Ouais, c'est compliqué. Je tente des trucs hein, pour essayer de rattraper cette partie, mais... C'est pas facile. Là, s'il vient ici, je viens là. S'il vient ici, je vais là. Il pousse. 1, 2, 3, 4, ouais. Noir. Blanc. Noir. Ok, ça fait quelques points ça quand même. Ça fait quelques points. Ça met un peu de pression sur ce groupe. Bon, tranquillement, hein, mais bon. Ok, on doit retirer une liberté. Ici, on gagne du liberté, alors, en fait, même s'il y a 3 chacun, lui quand il va en A18. Je vais en E18, et il peut pas aller en A19, sinon mais il se met en atari ses trois pierres. Donc après le A18, il est obligé de reculer, et là, pendant ce temps, je peux prendre une autre liberté. Donc c'est pour ça que je peux jouer assez tranquillement dans cette zone. Je suis obligé de continuer comme ça, et oui, il prend beaucoup, mais au bout d'un moment, je suis obligé de sacrifier des choses. Par contre, là, s'il continue, ouais, je pense que là, il aurait pu faire double Kema comme ça. Ou juste Nobi ici. Parce que là, même s'il fait ça, bon bah tant pis, hein. Moi je préfère essayer de rentrer en allant par ici. Tant pis s'il détruit mon centre, j'ai a priori pas assez par rapport à ce qu'il peut faire. Donc autant essayer de rentrer tant qu'il y a une brèche. Jouer sur la G de cette pierre, mais également sur la G de G7. Donc là, D11 et G7 peuvent être intéressants, parce qu'il y a encore un point de coupe qui peut être un jour dérangeant à voir. Je joue par ici. Il va couper par là, je pense. Ah, je sauve beaucoup, du coup. Moi, je repars ici. Donc, il prend le bord gauche. Mais moi, je sauve toutes ses pierres. C'est assez inespéré. Hein. Ok, et là, je suis mort. En même temps, j'ai joué avec le feu depuis tout à l'heure avec ça. Mais je ne pouvais pas répondre comme ça, je trouve. J'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose à jouer avec C12 pour noir. Noir, blanc. Faut que je coupe tout de suite. Si blanc atterrit de ce côté, noir connecte.
Là, on continue. Non, voilà. Non, il n'y a rien. Bon, il faut que je protège de ce côté. Et là, il y a des choses. Il faut que l'on protège ici. Ou joue là, peut-être. Man. C'est bien de jouer là, en fait. Mais bon. Maintenant, si on fait les zones de territoire... Ouais, voilà. Ça, c'est très bien aussi. Blanc à ça. Donc, jusqu'ici. Blanc à ça. Blanc à ça. Blanc à ça. Ici. Bon. Hop. Et noir. Il est ici, ici, ici. Ici. Tac. Et un tout petit peu là. Donc on est clairement en retard. Mais bon, arrivé là, autant finir la partie. De toute manière, le retard était colossal. C'était vraiment dur de rattraper ça. Ah oui, non, c'est mort depuis le Tanuki, mais je suis obligé de tenter des trucs, en fait. Je sais pas, je... J'essayais un peu de jouer fourbe, on va dire. Hop. Encore une fois. On tente des petits trucs, et on verra bien. D'accord. Non, il n'y a rien. Regardez ce coup-là, mais il n'y a rien. Blanc répond ici. Ou même fait Atari, tac, tac, puis il répond là. Je ne vois pas. Non, il n'y a plus rien. Ces séquences-là ne marchent pas, c'est vraiment bien connecté. Et au pire, juste ça descend, ça prend mes pierres. Ici, je vois aucun coup miraculeux. Et on a vu qu'on n'avait pas assez de points. Ouais. Alors qu'il fallait juste gagner des libertés et vivre avec ton groupe en bas. Ouais, ouais, mais même plus simple, il fallait connecter. Et sacrifier les deux pierres. C'était fini aussi, je pense. C'est comme ça, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise. Bon, allez, j'abandonne. J'abandonne, le j'abandonne. Blanc gagne. Merci pour la partie à lui. Ah là 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 là. Je dis merci, mais effectivement là, si vous voyez toujours, ouais. Ici, là, ce que je dis, c'est ici, à la place de ce que soumis, je connecte là. Je suis en avance de 60 points. C'est con.
La gourmandise, vouloir tout prendre, alors que je le laisse me couper. Quand tu peux connecter, tu connectes, c'est tout. Et là, oui, effectivement, peut-être qu'il peut prendre ses deux pierres, et encore, il peut faire ça. Et voilà, si je veux vraiment les sauver, je peux, même si ça va rien en soi. Hein. Mais voilà, quoi, c'est... Il peut faire ça pour être sûr de connecter ses pierres. Mais s'il fait ça, je peux aller prendre un Sansan et je suis vraiment très bien dans la partie. Et s'il le fait pas, quand je joue là, et s'il le fait pas parce qu'il est en mode, bah non, c'est dangereux, bah maintenant je peux jouer ce coup et attaquer vraiment ses pierres sans avoir peur de me faire couper. Donc pour moi, c'est l'erreur de la partie. De pas connecter. Et ça, en fait, ce coup-là, et c'est fini. Je pense que même il abandonne, peut-être. Ouais. C'est con. C'est con, c'est con. Alors, variation. Ah, ce année, je voulais jouer à un moment. On va regarder. Je lui dis, ouais. P. 8. Mais oui, c'est clairement la gourmandise. Il dit que c'est lui qui a été gourmand. Pourquoi? Parce qu'il a fait... Donc il disait... il parle de ce année. 3, 4, 5, 6. Il sort, j'ai là, ici. Ok, il joue un peu sur ça, mais essayer de sortir, et là il peut sortir. Ok. Mais c'est dans la souffrance, mais il sort effectivement. Ok, d'accord. Donc il y avait moyen. Mais c'était compliqué. C'était compliqué pour les deux joueurs. Ok. Si tu veux sortir, la forme c'est Nobi en N6. Bien plus tôt du coup, j'imagine. Je sais pas à quel moment tu dis... à quel moment, Abdallah. Et ici, a priori, l'IA dit que je ne suis en avance que de 3. Et il dit je vois pas comment je vis. Moi non plus. Moi non plus. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est bête, hein. Je pense qu'on a bien géré toute cette attaque et on n'a pas su quand s'arrêter. Vraiment. Tac, 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 tac. Et tac. Le pire, c'est que quand on joue cette Atari, on dit « Oh, mais on peut connecter » et après on réfléchit et on joue celui-là. Finalement, il faut pas réfléchir. Ouais, vraiment ici. En fait, les pierres capturées, ici, il faut imaginer quasiment ce territoire deux fois plus gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Déjà, ça, ça fait 56 points. Plus tous les intersections qui sont libres déjà. Hein. Ouais, 35 points au moins. Donc on est à plus de 90 ici. Ça,
sachant qu'on a capturé des pierres aussi. Hein. Bon, on est à plus de 90, on est à 95. Blanc, il fait jamais 95 points, hein, même avec le commis. Et en plus, on peut envahir, c'est des Oshi. Il suffit de rentrer, de faire un groupe normal, un Joski normal, et c'est fini, en fait. Ouais. Ouais. Bon, sur YouTube, du coup, si vous avez apprécié la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, comme d'habitude, il y a les SGF en description. Et sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour la sixième et dernière ronde du tournoi. Voilà, allez, à la prochaine, salut!